Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Let's Play sur Saga Frontier 2, j'ai un truc de part sur le nom du jeu. Donc du coup, ouais, je fais un petit Let's Play avec ma femme rentre du taf là. Et après je me remettrai sur Final Fantasy 14 un petit peu. Donc du coup, ça y est, je me suis bien remis dans ce jeu en fait. Hein. Donc je me suis bien remis dans ce jeu, ce jeu m'a toujours plu de toute façon, c'est un jeu que j'ai refait plusieurs fois au cours de ma vie. Hélas, c'est un jeu que j'ai jamais terminé, comme je disais dans l'esprit. Mais voilà, c'est un jeu que j'adore, ce jeu. Bon, je suis quand même arrivé au boss de fin, c'est quand même déjà une semi-satisfaction, parce que je connais toute l'histoire du jeu, du coup. C'est juste que je n'ai jamais battu ce boss, quoi, et je pense que je referai ce jeu tant que je n'aurai pas réussi à battre le boss. Après, je pense qu'une fois que j'aurai battu le boss de fin, peut-être que quand même je ne toucherai pas, je ne pense pas. D'affronter le boss de fin, il va falloir que je fasse du level up intensif. De Gustave est mort et on va sûrement avoir notre première bataille car oui dans ce jeu il y a des batailles et vous allez voir c'est assez intéressant. Toutes les batailles sont assez faciles sauf la dernière quand on Gustave est pater que on peut éviter selon les choix scénaristiques que l'on a pris et moi j'ai réussi à arriver au boss de fin de ce jeu parce que j'ai évité la dernière bataille qui est impossible à réussir. C'est vrai, je connais très peu de gens qui ont réussi de la chance. Pouvoir réussir à gagner cette bataille, c'est de la chance. Ouais, alors lui, il se fait pas chier là quand même, parce que Gustave il a remplacé son ancien seigneur, mais non, il va. Il travaillait pour l'ancien seigneur, mais il va quand même aider Gustave, ouais. Thank you.
recruter un général. Là, on va partir faire la guerre. Pour l'instant, on continue à gérer Gustave. Hein. J'aime bien faire Gustave et après Will. Il y en a, ils aiment bien faire les deux. Il y en a, ils aiment bien faire un coup Gustave, un coup Will. Mais... C'est vrai que quand on joue Gustave jusqu'à un certain stade de l'aventure et qu'après qu'on rejoue Will, on a l'impression de repartir à zéro. Moi, je préfère pas comme ça. Ah! Ok, il a trouvé la bombe que j'avais oublié, c'est qu'il avait un autre frère, qui avait Gustave XIV aussi. Donc carrément le père, il a carrément... Il a eu un autre enfant avec une autre femme, et puis il a donné le trône au quatrième fils, quoi. Ça fait réglo, ça. Normalement c'est Philippe, s'il a renié Gustave, c'est Philippe qui aurait dû avoir le frère. Ouais. Bah, y a souvent beaucoup de sauvegardes. Parfois il y a beaucoup de sauvegardes et le problème c'est qu'il y a des sauvegardes que par chapitre. Alors du coup non, je vais dire une connerie. Il vaut mieux de sauvegarder à chaque chapitre, mais vous pouvez sauvegarder quand vous voulez dans le jeu. Je vais dire une connerie. Allez hop, c'est parti pour la bataille. Après avoir débarqué sans encombre, alors laisse Land. Vous avez un petit dictat seul comme ça. C'est pas. Gustave XIV, à la voix, lui, il rassemble ses vassaux et parle de son. L'armée de Gustave bloque le col de Zal et résiste. Il est lourd de voir avec un attachement de coups, Gustave a l'air. Thank you.
papier, on a une infériorité numérique, mais franchement, on va les défoncer. On va les défoncer. Surtout que, si je dis pas de bêtises, Gustave, on prend tout comme battre Gustave. Et là, le seul moyen que j'ai de perdre la bagarre, la bataille, c'est que lui, là, il soit vaincu. Sauf que lui, là, il peut défoncer tout ça tout seul. Tout ça tout seul, et il y a que les deux là qui font faire attention. Pas eu l'occasion de l'éviter. Kalmi n'est pas si puissant que ça, ça Kalmi va être moins puissant que sa soldat. Pas pour tout, je crois qu'on a une armée super balèze. Ouais, bon, je me semblais on a une super balèze au départ. On va en perdre quand même, soldat, je vais en 5 HP. Oh, tu es sérieux qu'il n'a pas HP? Oh, t'es sérieux? Oh, Kevin, c'est vraiment une grosse merde. Ah bah j'ai perdu là du coup. Ah, j'ai perdu la bataille, pas la guerre. Ah, il m'a fait l'attaquer! Ils peuvent pas me le tuer. C'est ça qui est bien, parce que Kevin, c'est quand même un personnage principal, il a quand même plus de points de vie, il peut se soigner, donc ils peuvent pas me le vaincre, ils pourront pas le faire reculer. Ah bah non, je suis con, c'est une autre... C'est quoi? C'est une autre... Alors, je vais faire défoncer, je suis désolé les gars. Kelvin, il sert à rien ce personnage. J'aime tous les personnages, hein, mais celui-là, ça sert vraiment à rien. Ces soldats sont plus forts que lui. Eh ben... Bon, j'aurais peut-être dû quand même employer un petit peu de stratégie en fait. Ouais, moi j'ai déjà un peu de feu, j'ai un gros avantage sur eux. Ah, par contre, ça j'avais pas eu. Oh, ils ont attaqué avant moi. Oh, les enculés, pourquoi ils sont plus rapides que moi? Ça, c'est pas normal. Par contre.
Oui, nous qui sommes en vrai, on a gagné. Non, on est deux de mes joueurs. On va te calmer direct là. Hop là. Ah, à chaque fois que je jouais à ce jeu, je sais pas pourquoi. Je suis amusé à jouer sans Gustave en fait. Je suis amusé à jouer sans Gustave, je sais pas pourquoi, alors que en fin de compte, regardez Gustave juste les personnages qu'il a. Il y a des personnages tout en fait. Déjà tout là. Et eux ils ont ça là. Et eux ils achètent n'importe qui en vrai. Oh mais putain pourquoi ils ont ça ces enfoirés? Je suis loin là. Ils sont de mon côté quoi. Oh non. Ah non, ok, il y a plus de points de vie. J'ai oublié qu'il y avait plus de points de vie. Juste, il n'aura même pas eu l'occasion de taper. Là, je suis quand même loin de leur fond, là. Donc, ça fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent m'attaquer, alors que... Voilà, je sais pas lequel qui lance l'effet, en fait. Normalement, ils lancent des flèches quand t'es près de leur défense, près du chef. Tu vas pas faire en haut de la carte, là, oui. Et là, pas bien comme ça, quoi. Alors lui, le général, si je me rappelle bien, il a cette technique de ouf. Ah non, il l'a pas. Ah non, il l'a pas, dommage. Parce que j'allais dire buisson de feu, mais non. 5. Il a 500 HP le général, il est super balèze, par contre que vous ne le gérerez que pendant cette guerre. Ce personnage là, je trouve que j'ai pas de connaissance, on le revoit pas, on le regère pas plus tard. Peut-être pendant une bataille, mais même pas sûr. Pourquoi est-ce qu'il est plus rapide que moi, ça c'est frustrant. Houston. Il a réussi à parer un coup en forêt.
c'est l'épée la plus puissante du jeu, donc ça va arrêter.
normalement après sur vous, vous voyez, il lui récupère une unité à chaque fois. Il a zigouillé carrément, quoi. Vous avez entendu le petit bruit d'épée à la fin? Non, mais c'est... Voilà. Bon, après, c'est que son demi-frère. Bon, après, bon, chez moi, on n'est pas à la même époque, on est en 1200. Moi, j'ai que des demi-frères et des demi-sœurs, et ben, pour moi, demi et complet, ça veut dire pareil. Je les aime comme si c'était des complets, mais à l'époque... Je suis pas sûr qu'on enseignait ça aux enfants, quoi. Il y avait les demi et les complets, quoi, c'est pas pareil. Ma télé est incapable de vous jouer par la fenêtre là, hein. Par un switch, hein, aussi. Thank you.
il m'a pas attaqué pendant la guerre. Ah si c'est programmé ça, je sais pas si ça a été programmé exprès pour les attaques du stade ou si c'est juste un rapport de puissance. Là, j'étais en train de penser à ça bizarrement. J'étais en train de penser qu'il allait falloir construire une nouvelle ville. Et la dernière fois, j'avais mis que des quartiers des plaisirs, des quartiers d'amusement. Je me suis dit, con, voilà, j'avais envie de faire une ville un peu de plaisir. Quoi. Et en fin de compte, peut-être que c'est important pour la suite du jeu d'avoir. Bon, bah je vais te regarder sur internet et
Ouais, mais si je voulais, vous me mettre trois quartiers du plaisir. Ah, je sais pas ce qui est mieux, peut-être mettre trois quartiers forgeron, on aurait les meilleures armes. Je sais pas. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je vais vous mettre là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite des.